Salut, sache que tu peux désormais soutenir la chaîne sur Utip, et ce gratuitement en regardant une pub de quelques secondes. Tu peux aussi acheter des trucs dans la boutique, ça te fait plaisir, ça me permettra de financer mes prochaines vidéos, ainsi que mes vacances pleines d'alcool et de prostituées à Hawaï. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, bonne vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Salut à tous et bienvenue dans Starks. Aujourd'hui, on va faire une petite introduction à l'impression 3D dans le domaine du paintball et de l'airsoft. Dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter pas mal d'objets créés à l'aide de l'impression 3D. Cette introduction va vous aider à comprendre tout ça. Cette vidéo ne vous expliquera pas en détail comment utiliser une imprimante 3D, comment ça marche ou laquelle acheter. Pour ça, je vais vous renvoyer vers d'autres chaînes que je vous présenterai en fin de vidéo. Là, on est vraiment sur la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour du paintball ou de l'airsoft avec l'impression 3D ? Il y a vraiment deux grandes utilisations de l'impression 3D dans le domaine de l'airsoft ou du paintball, la réparation et la création. La réparation aura pour but de recréer un élément d'un objet déjà existant, par exemple une petite pièce très simple, peu chère et peu complexe, comme ce petit élément présent sur le tambour MacFed de chez Gotcha 3D que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Ce sera beaucoup plus simple pour moi de refaire la pièce à l'aide d'une imprimante plutôt que de devoir la commander, ce qui va me coûter super cher en frais de port pour une pièce qui au final ne coûte que 3€. Vous pourrez aussi recréer des pièces plus complexes que vous ne pourrez plus acheter dans le commerce, souvent parce qu'elles ne sont plus produites. Par exemple, si vous voulez réparer un lanceur qui a plus de 20 ans, genre un PGP, et que vous n'arrivez pas à trouver les pièces plastiques, l'impression 3D peut être une bonne alternative pour pouvoir créer ces pièces. La deuxième utilisation qui est pour moi la plus fun, c'est la création. Vous pourrez créer vos propres pièces soit en créant vous-même votre fichier en 3D ou alors en utilisant un fichier déjà existant. Dans le premier cas, vous devrez utiliser un programme de modélisation 3D comme Fusion 360 ou Blender. Et dans le deuxième cas, vous devrez télécharger des fichiers que vous pourrez trouver sur Internet. Une fois que vous aurez franchi cette étape, vous devrez passer le fichier de votre modèle 3D dans un slicer comme Cura ou Simplify 3D. Ils sont des programmes qui vous permettront de transformer en fait votre fichier 3D en fichier lisible pour l'imprimante 3D. Et vous pourrez créer des pièces comme ce garde-main qui s'adapte sur les rails Picatinny ou ce silencieux pour TPI. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans le domaine de l'impression 3D, je vais vous donner les liens utiles pour acquérir les bases. Pour trouver les fichiers prêts à imprimer, je vous invite à aller sur les sites Thingiverse, Cult et Yegi. Vous y trouverez une assez forte base de données pour le paintball et l'airsoft. Cependant, faites attention, sur Cult, certains fichiers sont payants. Si vous voulez choisir une imprimante 3D, je vous recommande deux bonnes chaînes qui en testent pas mal. Le Labo d'Heliox qui est assez connu et la chaîne de Tommy Desrochers qui fait pas mal de tests. Il vous donnerait ainsi une tonne de conseils pour débuter l'impression 3D. Il y a beaucoup de tests sur beaucoup d'imprimantes. Personnellement, j'ai une AlphaWiz U20. Elle est pas mal, mais il faut être capable de bricoler un minimum pour pouvoir l'entretenir. Je vous mets le lien pour l'acheter si jamais ça vous intéresse dans la description. Heliox en a fait une excellente présentation sur sa chaîne, qui sera elle aussi dans la description. Pour les programmes de modélisation 3D, moi j'utilise Fusion. Il en existe plein d'autres. Je vous renvoie vers une vidéo d'Olivier Chambon qui vous présentera pas mal de programmes hyper intéressants pour débuter la modélisation 3D. Et pour ce qui est de l'utilisation de l'entretien des imprimantes, je vous recommande la chaîne YouTube de Bentech, ces vidéos vous aideront à améliorer vos impressions et à entretenir ou réparer votre imprimante. Si vous ne voulez rater aucun des produits 3D que je vais vous présenter, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine dans Starks.